J'en ai qu'un seul, moi. J'ai eu Claude Sarotti hier au téléphone. En tout cas, elle s'est fait enlever ses prothèses mémères. Ah, les prothèses mémères, c'est bien. Tant que c'est pas des pipes. Est-ce que je peux revenir à la vraie Nabila, celle qui veut être avocate à Jouy-le-Moutier, Nabila? Avocate, c'est ce que vous voulez faire plus tard? Pas vraiment, je suis spécialisée en droit international, donc j'aimerais travailler dans les affaires étrangères. Dans les affaires étrangères, bien, Nabila, très bien. Nabila aussi, elle travaille dans les affaires étrangères. Christophe, lui, est à Portieux, dans les Vosges. Salut, Christophe. Portieux, oui, bonjour. On dit Portieux. Portieux, oui. Et chez Portieux, on a la patate, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Je crois qu'il a vraiment niqué ton effet, là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe? Je suis tricoteur professionnel. Tricoteur? Je crois que c'est une blague, moi. Attendez, expliquez-moi. Bonjour, le Paris. Oui, je tricote des chaussettes et des bas de contention. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous les tricotez à la main? Bah, faut bien que quelqu'un les fabrique. Machine. Ah, sur machine. Non, mais c'est pas du tricot, le bas de contention, c'est du nylon. Dans quelle entreprise vous travaillez, Christophe? L'entreprise Inotera. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, Christophe? Alors, une petite assiette de charcuterie. Des pommes de terre sautées et escalope de dinde. Ah, c'est pas mal tout ça. On fait léger, quoi. Délicieux. Right. Une escalope de dinde, aucun rapport avec Nabila. Non. Nabila, vous avez mangé quoi hier soir? Une escalope avec une petite salade. Une cuisse de poulet. Une petite cuisse de poulet, Nabila. Voici la question qui va vous départager. Que peut-on voir sur le réservoir d'une Harley qui va être vendue aux enchères aujourd'hui? Ah, je sais. Ça appartenait à quelqu'un de connu? La Harley Davidson qui avait été offerte au pape François. Et qu'est-ce qu'on peut lire sur le réservoir? Je ne sais pas, la Harley du pape. Urbi Torbi vendange un bateau. C'est effectivement la Harley du pape. Et qu'est-ce qu'on peut lire sur le réservoir? Quelqu'un sait, là, ici? J'en ai emballé des gonzesses, il a mis. J'en ai lavé des pieds. Bon, c'est facile. Vas-y, dis-le. Parce que la question, c'était pas de savoir à qui appartenait la Harley. Il a gagné, le mec. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut lire sur le réservoir de la Harley? Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, pape François. Presque, c'est-à-dire, c'est donc qu'est-ce qu'il y a des